here I'll think about how I'm so lucky to have a place that I can come home to. Yes, I am on my way. We'll put our differences aside. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme chaque année, vous le savez, je fais ma vidéo décoration de Noël et cette année, c'est rouge et blanc. Du coup, je vous embarque avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi quelle couleur vous faites cette année. J'espère que ma vidéo va vous plaire et vous inspirer. C'est parti, on y va! Nous sommes au jour 1, je vais installer le sapin. J'ai mis les branches par couleur et par catégorie pour bien m'y retrouver. Du coup là je vais mettre chaque branche sur chaque étage du sapin. Ça va, on n'a pas trop galéré. Et ensuite on va écarter les branches avec Anthony, comme ça ensuite on peut mettre la fausse neige. Christmas times. Oh, and the sunset is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. And family making angels in the sand. You and me, doesn't matter, it is Christmas in my heart. Nous sommes maintenant le jour 2, bien évidemment on commence à se mettre dans l'ambiance de Noël. J'ai déjà mis les rideaux qui viennent de chez BM et là je mets ma petite playlist comme d'habitude, chaque année Justin Bieber avec son album de Noël. Pour commencer je mets la grosse boîte de décoration de la maison sur la table, je l'ouvre et ensuite je regarde ce qu'il me faut pour la cuisine. Yes, it's Christmas. It's a magic time. Et avant ça, bien évidemment, on nettoie. Donc là, je vais faire le plan de travail et aussi la crédence parce qu'il y avait plein de saletés dessus, plein de taches de graisse. Et ensuite, j'installe le petit sapin qui vient de chez La Foir'Fouille et je mets bien les branches pour ensuite le décorer. Je ne vais pas mettre des boules traditionnelles, mais plutôt des fleurs. Je trouve ça magnifique. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing. Les blanches viennent de chez Shein et les rouges viennent de chez Discount. Du coup, je me suis dit que ça allait faire un petit sapin de fleurs. Je trouve ça plus beau. This time of year is a time to cheer. Let our loved ones. Comme d'habitude, ça m'a mis de la fausse neige partout, donc je repasse un petit coup avec ma microfibre et ensuite sur le plan de travail, je débarrasse tout et j'installe mes petits biscuits de Noël qui viennent de chez Action. Ils sont vraiment très beaux, avant ils étaient en forme de sapin, mais maintenant ils ont fait en forme d'étoile et ils sont vraiment très beaux, chaque année j'en prends. Snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas to you. Quand c'est terminé, je passe à la table de cuisine, j'enlève tout ce qui traîne et j'installe ma décoration. Cette année, je fais simple, comme l'an passé, et je mets un petit chemin de table. J'avais hésité à en mettre deux, mais au final, un, ça fait l'affaire, et mon bouquet de fleurs. Il vient de chez BM. Toutes les références des décorations sont dans ma vidéo Haul et Shopping de Noël. Je vous la mets dans le petit i et dans la barre de description. Sur le dos de mes chaises, je vais mettre des petits nœuds. On me dit toujours pourquoi j'appelle ça des nœuds, mais moi je trouve ça plus mignon, plus sympathique. Du coup, j'en mets sur les 4 chaises. Ça va rendre bien, surtout avec la déco rouge. Je passe maintenant dans le salon et je vais dépoussiérer mes fameuses étagères que je fais jamais, j'oublie toujours. Et je vais mettre mes petites décorations. Donc là j'ai mis le petit gnome rouge et ensuite j'ai mis un bougeoir. Ensuite pour le canapé je vais l'aspirer avec mon aspirateur Jimmy JV35. Je vous le dis à chaque fois, il fonctionne vraiment très bien, il ramasse en profondeur. Et là avec les paillettes il y en a 2 partout, du coup ça ramasse très bien. Pour terminer le canapé, je mets mes housses de coussin. Donc les blanches, elles viennent de chez Action. Ça fait à peu près 4 ans que je les ai. Et les rouges, elles viennent de chez Shein. Pour que ça rende mieux sur le canapé, je mets un petit plaid en bout de canapé. Celui-ci, il vient de chez Big Bazaar. Pour mes petites tables de salon, comme d'habitude, je fais très simple. J'ai trouvé ces petites fleurs magnifiques chez l'Incroyable à 2,99 €. J'en ai pris 3. Je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Avant de faire le sapin, déjà ça c'est quelque chose qu'on fait toujours en dernier avec Anthony. Et là je vais faire ma guirlande lumineuse sur le meuble télé. Je l'ai acheté l'an passé chez Action et elle est vraiment très bien. Moi j'ai l'habitude de mettre un peu de fausse neige dessus, mais là j'en ai pas trop mis parce qu'il y a la plaie, il y a Anthony juste en dessous. Donc voilà, pour pas l'abîmer, j'en ai pas mis trop. Du coup pour cette guirlande je vais mettre principalement des nœuds et des fleurs et quelques petites boules pour habiller vraiment la guirlande sans que ça soit trop chargé. J'essaie de passer un coup d'aspirateur au fur et à mesure pour éviter d'en mettre partout parce que je vous dis pas, les paillettes ça se met partout et j'en suis sûre qu'il y en a plein en dessous du canapé, mais bon ça c'est pas grave, je le ferai quand j'enlèverai le sapin début janvier. Ensuite on passe au sapin. Pour commencer je mets les boas blancs. Je ne suis pas fan des guirlandes mais les boas j'aime beaucoup, je trouve ça élégant, je trouve que ça habille bien le sapin. Du coup j'en mets un peu partout sans trop le charger. bells ringing in my ear, jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town, watch out for reindeers are falling. Bien sûr, je vous posterai des petits réels sur Instagram, du coup si vous ne me suivez pas, je vous le mets juste en dessous et dans la barre de description, n'hésitez pas à me suivre. Et ensuite, c'est parti pour la décoration du sapin avec Anthony. On le fait toujours à deux. C'est la première année que je fais rouge. Au début, j'étais pas trop emballée quand j'ai vu le sapin, les décorations. J'ai dit Anthony, franchement, j'aime pas trop. Et en fait, au fur et à mesure qu'on remplit le sapin, et bah, je l'ai trouvé magnifique. Bien évidemment, je vous montre le résultat en fin de vidéo. Du coup, n'hésitez pas à rester jusque-là. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelle couleur vous faites cette année pour votre sapin et aussi à quelle date vous le mettez. C'est vrai que moi j'ai eu pas mal de petites critiques en me disant mais c'est trop tôt et tout, mais franchement moi je le mets toujours avant parce que en fait on me demande souvent comment je vais faire ma décoration et chaque année et en tant que créatrice de contenu je trouve ça important de le faire un peu plus tôt pour donner quelques idées à ma communauté et aussi pour que vous puissiez vous inspirer. Je passe maintenant à la chambre. Dans la chambre, ça va être très simple. Je vais juste mettre des petits coussins, un plaid et quelques petites décorations sur les tables de nuit. Et c'est tout. J'ai juste mis un petit sapin que je vous montrerai juste après. Ça, c'est Anthony qui l'a fait. Pendant que moi, j'installais les décorations dans le salon, Anthony a fait le petit sapin. C'est un tout petit sapin, mais je trouve ça trop mignon. Je vous montre maintenant la décoration, j'espère qu'elle vous plaît. Pour ma part, j'adore, franchement, je ne regrette pas d'avoir fait rouge. Franchement, je regrette même de ne pas avoir fait rouge avant parce que je trouve le résultat vraiment incroyable. Franchement, je trouve que c'est beau, ça fait un peu américain, non? Dites-moi en commentaire, ça fait vraiment traditionnel et tout, franchement, j'adore. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Bien évidemment, je vous montre en journée et je vous montre le soir et je trouve que c'est largement plus beau le soir, c'est magique avec les lumières, c'est tellement beau, franchement, on adore, dites-moi en commentaire. touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Nous on se retrouve samedi à 10h pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et surtout prenez bien soin de vous. Wait a second, I don't need you. Then why so settled? I miss with you. Still it feels